Ce salon est à sa 24e édition. Il regroupe l'ensemble des opérateurs économiques publics et privés dans le secteur de la construction d'une manière générale. Nous avons réussi à mobiliser plus de 750 exposants pour cette édition, malgré les conditions dues à l'après-Covid et à la crise mondiale que tout le monde connaît. Donc nous avons 500 opérateurs nationaux qui sont ici présents et 250 opérateurs étrangers en provenance d'une dizaine de pays. La plus grande participation étrangère, c'est l'Italie, et ça s'explique du fait que l'Italie est devenue aujourd'hui le premier partenaire de l'Alger, partenaire économique bien sûr. La seconde nation présente en force, c'est aussi la Turquie avec 67 exposants. Et nous avons constaté le retour en force de la Tunisie, qui a fait donc dans l'édition précédente une participation symbolique, mais cette année elle participe avec 25 exposants. Aujourd'hui ça a été l'inauguration. Nous avons un programme de cycle de conférences qui est prévu à partir de demain sur des thèmes qui touchent le secteur de l'habitat et de l'architecture en général. Nous attendons environ 200 000 visiteurs pour la plupart des professionnels, mais le salon est ouvert au public.